Léa Lignonzi, le signataire de cette chanson Dédé Priscilla, il est centrafricain. À Mbata, dans la région de la Lobaye, là où il vit le jour le 4 avril 1956, Léa Lignonzi se destinait plutôt à la prêtrise. Mais lorsqu'il eut l'âge et l'occasion d'en amorcer les premières étapes, le séjour au petit séminaire Saint-Marcel de Sibut ne durera que 2 ans. Et c'est finalement à Bangui, au collège public de Fou, qu'il dut poursuivre ses études jusqu'en classe de 3e. Et là, les études, il en eut ras-le-bol. La musique, voilà ce à quoi il aspire désormais. Mais comme il était trop timide pour en franchir seul le Rubicon, eh bien, c'est Georges Ferreira, le patron de l'orchestre Les Makembe, qui va l'y aider. Je me suis rendu compte que Léa, c'était un bon compositeur et qu'il avait une très belle voix. Et il avait peur de venir chanter. Par contre, il composait pour d'autres artistes, notamment Bigao qui chantait dans le Tropical Fiesta. Mais j'ai réussi à l'aide de Matata et de Bovic à l'intégrer pour qu'il fasse la première et les intermédiaires. Et il est rentré dans le groupe avec vraiment des chansons comme Bindo, Fatimé, des chansons qui ont très 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 bien marché à l'époque, au début, c'est en 1976. Voilà désormais notre jeune artiste en plein dans le monde de la musique. Coup sur coup, il enchaîne les succès. Les titres Zara et Juliette le consacrent davantage dans sa vocation. En août 1978, les Makembe font le voyage d'Ajaccio en Corse. Léa Lignonzi est bien sûr du voyage. Et avec lui, les toutes dernières recrues de l'orchestre, Domingo Salcero et Baba Bigao, tous deux transfuges du Tropical Fiesta. Et c'est peut-être à cette occasion que leur est venue l'idée aux trois compagnons de quitter les Makembe et d'aller tenter leur chance sous d'autres cieux. En tout cas, c'est ce qu'ils font juste quelques mois après leur retour à Bangui. Première destination, Lagos au Nigeria, là où ils forment le trio Bidoli. Ensuite, direction Côte d'Ivoire. Le trio Bidoli y sort son tout premier album. Et Sam Mangwana le flashait alors sur les trois artistes venus de Centrafrique. Il les accueille dans l'African All-Star, qu'il anime désormais avec Bopol, Siram Benza et Pablo. C'est avec cette nouvelle formation donc que Sam Mangwana fera la longue tournée africaine au terme de laquelle tout l'orchestre se retrouvera finalement en France en 1982. Et c'est là que sonnera le glas de l'African All-Star. 1984, Léa Lignonzi sort son tout premier album solo, Dédé Priscilla, qui comporte des chefs-d'œuvre comme Passi Napanzi, Manke Soufele et Amadi. Mais c'est la chanson qui donne le nom à l'album, Dédé Priscilla donc, qui va avoir un véritable rayonnement international. Un titre tellement bien inspiré que le Dominicain Juan Luis Guerra ne résistera pas à l'envie de le reprendre et ça a donné ceci. Epedir Soumano, tel est le nom que Juan Luis Guerra donne à cette reprise de Dédé Priscilla. C'était en 1995. À la faveur d'une plus efficiente distribution, Epedir Soumano cartonne à travers le monde. Et Léa Lignonzi, lui, l'auteur de l'œuvre originale, c'est par un heureux hasard qu'il l'apprend. Disons, j'étais à Paris et des amis sont allés jouer au Canada. Et ils sont revenus, ils m'ont dit qu'ils ont écouté une chanson, mais ça sonnait comme ma chanson, quoi. J'ai cherché à trouver ce disque-là, j'ai pu la voir dans le commerce, je l'ai ramené à la SACEM, et voilà, ils m'ont réglé tout ça, là, quoi. Ça a été réglé au niveau de la SACEM, mais vous vous êtes jamais rencontré avec Guerra? Non, jamais. Jusqu'à aujourd'hui, non, je ne connais pas, je ne connais même pas. Qu'à cela ne tienne, à la SACEM, ils ont pris les dispositions nécessaires. Et depuis, les droits d'auteur sont désormais reversés à qui de droit? Passez-moi la tautologie. Entre-temps, c'est-à-dire de 85 à 89, Léa Lignonzi accompagne divers groupes et divers musiciens, soit en studio, soit sur diverses tournées. Le téléphone sonne, Suzy Kaseya,
ou Amour de Nomba Kele de Pamelo Muka, ou encore La femme ivoirienne de Orlus Mabélé. Voilà autant d'œuvres auxquelles il a participé. En 1990, Léa Lionzi sort son deuxième album solo, Ne Lumta. Et sur ce, il arrête de pratiquer la musique tellement il a des problèmes. C'est surtout au niveau des maisons de production. Tu trouves des gars qui ne sont pas bien. Toi, tu écris, tu composes, en retour, tu touches rien, tu gagnes rien. C'est un cercle fou, quoi. Mais bon, je reviendrai. Pour quand alors? Bon, je ne peux pas donner une date, tout dépendra. Je verrai, j'attends le bon moment, quoi. Au bon moment, je serai là. Il n'y a pas le feu, voilà. Nelunta, 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 nelun